mis dans un premier temps en place un stage de 4 jours dans les Vosges avec les petits, donc c'était U11, U13, U18 et même les seniors. Donc voilà, donc on était tous ensemble pendant 4 jours dans les Vosges, on a dormi, mangé ensemble, on a cohabité ensemble. Il y a eu des activités diverses, des quiz, des jeux en extérieur, des sorties, des cours d'orientation, toujours sur le thème du programme éducatif fédéral, avec plusieurs questions auxquelles il fallait répondre, etc. Et on veut vraiment que les filles viennent au foot, non pas seulement pour progresser, pour apprendre à jouer, mais aussi pour apprendre à vivre, voilà, tout simplement, à être de bonnes élèves, entre guillemets, bien éduquées, voilà. Quelle est la deuxième? Un. C'est pas la deuxième? Attends, ça s'est resté, ça fait plaisir. En fait, c'est le nom des équipes. Sur terrain 1, plaisir 2 contre tolérance, et terrain 2, engagement contre respect. Le tournoi presse, c'est une idée qui a été évoquée en début de saison, qui a mijoté tout doucement. On a, avec les autres responsables éducateurs, on a un peu réfléchi à ce qu'on voulait faire. On s'est dit pourquoi pas partir par rapport au slogan de la Fédé, le slogan prêt, voilà, avec les 5 lettres qui représentent les valeurs. Et donc avec les éducateurs, on s'est concerté, on a réfléchi un petit peu sur ce qu'on allait faire. Et puis on a eu cette idée-là, donc on a sollicité les différentes équipes qu'on pouvait avoir en Lorraine. Et elles ont toutes quasiment répondu présentes et ça fait plaisir. Et puis le tournoi s'est très bien déroulé, donc dans la bonne ambiance, c'était sympa.